superbe choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, avec un déluge d'actions et de buts dès le début de la partie. 3 minutes suffisent à Neymar pour marquer le but du 1-0. Le PSG sort de deux rencontres en Coupe de France et en Coupe de la Ligue BKT avec 6 buts inscrits à chaque fois. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose sur ce match, car l'AS Monaco a du répondant. Égalisation quelques minutes plus tard, signé Gelson Martins. Les Monégasques réussissent même à prendre l'avantage à la 13e minute grâce au buteur maison Wissam Ben Yedder et sa 14e réalisation. Mais le PSG se relance rapidement avec un but de Fodé Ballo-Touré contre son camp suite à un tir de Neymar. 4 buts inscrits en 24 minutes dans le match. Kylian Mbappé obtient un pénalty à 3 minutes de la mi-temps. Pénalty transformé par Neymar qui s'offre un doublé. Le Brésilien porte son total de buts en Ligue 1 Conforama à 10. Le Paris Saint-Germain mène 3-2 à la mi-temps en seconde période. Il y a beaucoup d'occasions de part et d'autre, mais il n'y aura pas de vainqueur dans ce match car Monaco réussit à égaliser à 3 partout à 20 minutes de la fin. But accordé à Islam Slimani. 6 buts dans ce match spectaculaire, 3 partout entre les deux équipes. Très bonne opération de l'Olympique de Marseille sur le terrain du Stade Rennais. Le deuxième se déplaçait sur le terrain du troisième. Dimitri Payet frappe un superbe coup franc à 6 minutes de la fin. Et c'est Kevin Strootman, entré sur le terrain en cours de match, qui se retrouve efficace. Deuxième but de la saison pour le Néerlandais. L'écart entre les deux équipes était de 5 points avant le début du match. Ça passe à 8 grâce à ce seul but de la partie pour Strootman. Affiche classique de Ligue 1 Conforama entre Saint-Etienne et Nantes. Les Nantais réussissent une excellente opération en profitant d'une équipe de Saint-Etienne sans réaction. Le but de Mehdi Abeid à la 23e minute fait déjà une première différence. Et au retour du vestiaire, les Canaries doublent la mise avec Ludovic Blas. Les joueurs de Christian Gourcuff sont très efficaces et s'imposent 2-0 à Saint-Etienne. Petite surprise à Dijon où Lille n'a pas montré grand chose. Et à 10 contre 11 à ce moment du match, les Dijonnais marquent le seul but de la partie grâce à Julio Tavares, lui qui n'avait plus marqué depuis 9 rencontres. Dijon réussit une excellente opération dans le bas du classement en battant Lille 1-0. Montpellier a beaucoup de mal à l'extérieur et s'est vérifié en début de match à Amiens, car le premier but est pour Amiens après 12 minutes. Il est signé Bakay Dibassi. Mais Montpellier réagit avec un but de Gaëtan Laborde. L'égalisation en seconde période pour Montpellier. Gaëtan Laborde, buteur puis passeur décisif pour une superbe réalisation d'Andy Delors. La première victoire de la saison à l'extérieur pour Montpellier est enfin là. Un succès 2-1 sur le terrain d'Amiens. Très beau choc entre Bordeaux et Lyon. Deux équipes qui ne sont pas au classement qu'elles espéraient en début de saison. C'est le 13e qui accueille le 12e. Erreur énorme d'Andersen, le défenseur danois de l'OL. Il donne le ballon à Jimmy Briand pour le 1-0 des Girondins de Bordeaux. Mais en seconde période, Lyon affiche un bien meilleur visage et réussit à égaliser grâce à ce ballon dévié de Maxwell Cornet. 3 minutes plus tard, Moussa Dembélé réussit à marquer son 11e but de la saison. 4e défaite consécutive pour Bordeaux et succès de Lyon 2-1. Angers prend les devants dans cette partie contre Nice. L'esprit offensif du SCO est récompensé grâce à Sada Tioub à l'initiative de cette action. Il s'appuie sur Thomas Mangani pour marquer son premier but sous les couleurs du SCO en Ligue 1 Conforama. Mais les Angevins se font surprendre dans les arrêts de jeu de la première période. Bousculade dans la surface et pénalty pour les Aiglons. Un pénalty transformé par un spécialiste en la matière. William Cyprien inscrit son 7e but de la saison, son 5e sur pénalty. Un but partout entre Angers et Nice.
Le Nîmes Olympique avait grand besoin de victoire. Pas facile de battre Reims, l'une des meilleures défenses du championnat. Dans la confusion, Renaud Ripart réussit à pousser le ballon au fond des filets. Il faut attendre la toute fin de match pour la confirmation. Dans les arrêts de jeu, le nouveau joueur de Nîmes prêté par Bordeaux, Benraou, réussit à marquer. Victoire de Nîmes 2-0 contre Reims. Le derby de l'Est est toujours très attendu et Metz avait vraiment besoin de le gagner. Malgré plusieurs bonnes offensives, Strasbourg ne parvient jamais à marquer. Le seul but du match est pour John Boy, le défenseur ghanéen qui marque très rarement et est efficace dans ce match important. Victoire de Metz 1-0 contre Strasbourg. Énormément de buts ont été marqués au stadium de Toulouse. Des Toulousains qui avaient vraiment besoin d'enrayer leur spirale de défaite. Ça débute très mal avec Johan Cour pour Brest après 7 minutes. Mais Toulouse réagit. Bafodié Diakité s'offre un doublé, le premier pour un joueur toulousain cette saison en Ligue 1 Conforama. Deux buts qui permettent à Toulouse de mener 2-1 à la mi-temps. Mais à partir de la 72e minute, tout change. Gaëtan Charbonnier, qui n'avait plus marqué depuis le mois d'août, retrouve enfin le chemin des filets pour une égalisation à 2-2. Toulouse recule, Brest en profite. Le doublé de Charbonnier à un quart d'heure de la fin. Et Brest mène 3-2. Puis la superbe réalisation de Yang Gambok à la 79e minute pour son premier but en Ligue 1 Conforama. À 4 minutes de la fin, Brest en rajoute même un de plus avec Irvine Cardona et son quatrième but de la saison. C'est la première fois que Brest marque 5 buts à l'extérieur en championnat de France. Victoire de Brest 5-2 à Toulouse. 28 buts ont été inscrits au cours de cette journée de Ligue 1 Conforama. Aucun 0-0, 3 victoires à domicile seulement. Il y a eu un match à 6 buts et un match à 7 buts. Marseille revient à 5 points du Paris Saint-Germain, même si le PSG a un match en retard à jouer. Nantes est désormais 4e, alors que Lyon passe de la 12e à la 7e place. Belle rébellion de certaines équipes dans la deuxième partie du classement, puisque Dijon, Metz et Nîmes ont réussi à gagner. Lors de la prochaine journée, Marseille accueillera Angers, classique du championnat entre Nantes et Bordeaux, et très gros choc à Lille entre le LOSC et le Paris Saint-Germain.